Mais pourquoi ai-je besoin d'une brosse à dents? Je me suis déjà brossé les dents. Vous avez vu Costia? Je ne l'ai jamais vu comme ça. Costia est un vrai macho. Oui, Costia a changé. Vous pensez que cela me va, les gars? Est-ce que je peux porter ça? Pour qui tu fais ton effort? Artiem, comme si tu ne le savais pas. Les gars, c'est pour une nana. Costia, vraiment? Costia, est-ce qu'elle est vraiment belle? Costia, est-elle vraiment blonde? Oui, elle est blonde. Je devrais dire à Zouza de changer de couleur. Ça ne pourrait pas être plus réel. Je ne suis plus un célibataire. Dites-moi si ce suite me va ou pas. Costia, non. Cherche autre chose. Très bien. Les gars. Quoi? Et si je tombe amoureux de la petite amie de Costia? Quoi? Costia est notre amie, tu ne peux pas. Mais si c'est la petite amie de Costia, c'est notre petite amie aussi. Qu'est-ce que tu fais? Et si Costia tombait amoureux de ta Marussia? Pourquoi Marussia? Laisse-le tomber amoureux de Souza. La blonde, je ne l'ai pas encore vue, mais je suis déjà amoureux. Patrick! Ok les gars, je comprends maintenant. Les filles aiment les brutes. Donc je ne vais pas m'habiller, je vais être brutal. Costia, est-ce qu'on va aller la voir ensemble? Pourquoi faire? Je veux aussi la voir. Je vais aller la voir tout seul. Waouh, quel dur à cuire. Il n'est pas cool, il est juste amoureux. Yana, qu'est-ce que tu regardes? Ici, Diana, regarde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Diana, c'est ton smile dans la boîte de nuit. Tu sais, Yana, je pourrais aussi pleurer et déprimer en ce moment. Mais c'est juste que... j'étais aussi dans cette boîte de nuit l'autre soir. Donc, je suppose que je ne sais pas tout de Smile et il ne sait pas tout de moi non plus. Diana, il fallait que je te montre ça. Regarde ça, le club a posté ses photos. Il y a Smile qui danse sur la table. C'est génial, Yana. Il danse sur la table. Et moi, quand j'y étais, je dansais sur le bar. Tu es sérieuse? Mais non, je plaisante. Je dansais près du bar, là-bas. Les filles, on dirait que Costia ne nous a pas menti. Il y a vraiment une nouvelle fille. Les filles, vous savez, moi, je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas de petite amie. Mais si j'étais vous... et si j'avais un petit ami, je serais inquiète. Elle a l'air si cool et sexy. Il y a vraiment une fille qui vient voir Costia? Non, Yana, elle n'est pas encore là. Elle est en route. Costia lui a acheté un ticket pour notre camp. Les filles, on devrait aller l'accueillir? Oui, allons-y. On ne va pas juste l'accueillir, on va l'accueillir très gentiment. On doit lui montrer tout de suite qui sont les canons. Allez, habillons-nous. Les filles... moi, je m'en fiche d'elle, mais je vais m'habiller avec vous. Comme ça, elle saura qui sont les meilleurs ici. Ce sont les pom-pom girls. Les filles, si cette fille est canon, moi, je quitte le camp. Ok? Est-ce que ça veut dire que tu te sens mal avec les jolies filles? Marussia, on est des bimbos. C'est vrai, ça? Les filles, moi, je m'en fiche complètement. Je pars chez mes parents une semaine. Donc, je me fiche de savoir si elle est moche ou jolie. Je ne serai pas au camp. Groucha, t'es futée. Aujourd'hui, elle est avec Costia et demain avec ton petit oiseau. Et si elle m'enlève mon Artiem? Tu sais, Groucha, quand tu seras chez tes parents, ton petit oiseau quittera le nid. Il ira se trouver une jolie fille. Oh non, les filles, vraiment? Mais qu'est-ce que je peux faire? J'en ai aucune idée. Très bien, les filles, arrêtons de penser aux garçons. On est des bimbos, on est des bimbos. Knoppa, les bimbos ne se font pas larguer. Fais gaffe, sinon je ferai de toi une côtelette et pas une bimbo. On peut entrer? Entrez! Mon petit oiseau, il faut qu'on discute. Patrick, viens ici tout de suite! Les filles, mais vous êtes folles! Ils ne l'ont pas encore vu! Vous avez décidé de déjà vous disputer? Chut! Knoppa, fais pas la bimbo! Marussia, tu n'as pas dormi aujourd'hui ou quoi? Groucha, je suis là! Que s'est-il passé? Zouza, ne crie pas, je n'ai rien fait! Les gars, c'est parce qu'elles ont peur de vous perdre! Exactement! Ah! Alors vous êtes jalouse de la copine de Costia? On ne l'a même pas encore vue! Elle est blonde! Patrick, qu'est-ce que t'as dit? Elle est comment? Blonde! Patrick, comment tu peux savoir qu'elle est blonde? Costia a dit! Oui, Costia! Patrick, et tu aimes les filles comment? Les brunes, les brunes, les brunes, les brunes! Mais écoute-toi, Patrick! Est-ce que tu as peur? Les brunes! Les brunes! Les gars, qu'est-ce qui se passe? Tu as juste dit brunette! Tu aurais dû dire brunette Zouza! Patrick, j'ai pas bien entendu! Tu aimes qui? Zouza, je t'aime! Est-ce que tu peux teindre tes cheveux en blond? Les filles, à l'attaque! Les filles, non! Vous êtes des bimbos! Oh! Having the time.
Les filles, il me semble qu'on n'aurait pas dû prévoir tout ça. Nous habiller comme ça, nous sommes déjà les meilleurs. Diana, mieux vaut prévenir que guérir. Franchement, les filles, si la nouvelle a une silhouette de mannequin, ça ne changera rien si on s'habille bien ou pas. Les gars, on s'est enfin amusé. On est allé s'entraîner sur un vrai terrain. Est-ce qu'on ira aussi demain? Nous irons, tant que Léala me laisse y aller. Je deviens rouillé avec ce camp. J'ai fait seulement 6 sur 10 à 3 points. Moi, je me sens très bien. J'ai mis les 10 tirs. Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais toujours derrière la ligne. J'ai lancé depuis le centre. Tout ce que tu as fait, c'est de nous servir de l'eau. Non, il ne le fera pas. Oui, il le fera. Oh, Kostia! Kostia, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien d'autre à faire? Kostia, tu attends quelqu'un? Ce ne sont pas vos affaires. Allez-vous-en. Au fait, quelle heure est-il? Juste une seconde. Kostia, il est 8 heures. 8 heures? Merde, elle devrait déjà être là. Vraiment, Kostia, crache le morceau. Qui attends-tu? Je sais qui il attend. Il attend une fille. Oh, Kostia, tu attends une fille? Les gars, allez-vous-en. Elle ne devrait plus vraiment tarder. Je ne voudrais pas qu'elle soit déçue quand elle franchira le portail. Allez les gars, on y va. Il a une fille qui vient. Quelle fille? Il invente tout. Non, sérieusement, les pom-pom girls ont dit qu'une blonde allait arriver. Veux-tu nous présenter à la blonde? Dégagez ou je vais vous frapper avec la balle. Oh non, c'est la nouvelle! Mais non, c'est juste les basketteurs. Pourquoi vous restez assis là à rien faire? Qui va éplucher les pommes de terre? Et les oignons? On doit éplucher les patates et des oignons. Sinon, nous n'aurons pas de dîner. Les gars, asseyez-vous. Les filles les surveillent pour pas qu'ils tombent amoureux de la nouvelle. Maintenant, je saurai pourquoi Kostia est si stressé. Alors les gars, comment s'est passé l'entraînement? Tu t'es entraîné, bros? On vous a dit qu'on était contre cet entraînement. Wow, pourquoi es-tu si jolie? Yana, pourquoi t'es si bien habillée? Léala, pourquoi es-tu si jolie? Mais qu'est-ce qui se passe? Les garçons, en fait, nous sommes toujours jolis. Auriez-vous oublié qui nous sommes? Et il n'y a pas de pom-pom girl moche. Compris? Ah! C'est parce que la nouvelle fille arrive? Diana, ne t'inquiète pas, elle est avec Kostia. Ne sois pas jalouse. Yana, ne t'inquiète pas, tu es la plus jolie. Léala, je suis fidèle. Vous savez, les pop-pom girls, moi je serai absente une semaine. Alors je veux voir qui vient. Moi aussi, je veux voir qui c'est. Calmez-vous, vous êtes des bimbos. Vous avez entendu? Les perdantes s'inquiètent de la copine de Kostia. Les filles, j'ai une idée. Allons regarder depuis le garage quand Kostia accueillera sa copine. Oui, mais Kostia est un éternel célibataire. Il ira sûrement vers sa copine et lui dira « Salut !» Bros, on dirait que tu ne connais pas très bien Kostia. Ok, trêve de bavardage. Allons voir la nouvelle. Allez, on va voir la nouvelle. Vous allez où? Merde, et si elle ne vient pas? J'ai acheté le billet, ce sera une honte. Bon, si jamais elle ne vient pas, je ferai mes valises et je quitterai ce foutu camp. Kostia, salut! Anya, Anya, t'es arrivée! Anya, t'es arrivée, t'as faim? Kostia, j'ai déjà mangé dans le bus, j'ai pas faim. Tu dois être fatiguée. Kostia, je ne suis pas fatiguée. Fais-moi visiter le camp et présente-moi à tout le monde. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. Elle est vraiment grande et mince. Une vraie blonde, j'en frissonne. Patrick, tais-toi, sinon Zouza va crier. Les filles, et si on sortait pour la voir de plus près? Eh merde, j'ai pas réussi à la voir. Je suis heureuse pour Kostia. Je pense que c'est une très gentille fille. Je suis d'accord. Très bien, tout le monde. Sortons d'ici. Alors voici notre camp. Salut! Et voici les pom-pom girls. Salut les pom-pom girls. Salut! Nous, on est les perdants. Salut!
Zouza, on est des bimbos, me fais pas honte. Salut les perdants. Il vaut mieux ne pas trop regarder les perdants. Et qui sont ces grands garçons? Ce sont les basketteurs, les garçons les plus nuls du camp. Ce sont les basketteurs. Nous voyons tout. Bref, voici ma petite amie Anya. Et je vais me déchirer pour elle. Ne vous approchez pas trop d'elle. Bon, eh bien, vous me montrez où est ma chambre? Cette Anya n'est pas très mignonne. Pas mignonne du tout. Bref les gars, aimez, abonnez-vous à la chaîne et attendez d'autres épisodes. On va apprendre à connaître cette Anya. J'espère qu'elle ne nous enlèvera pas nos basketteurs. Au revoir. Quels basketteurs ont déjà le béguin pour elle? Non. Oh allez, poussez-vous. Il est où Patrick? Où est mon Patrick? Les gars, je ne suis pas là. Patrick. Mon petit oiseau, demain je m'en vais, alors fais gaffe. Groucho, je comprends. Très bien les gars, écoutez, si une pagaille commence dans le camp, alors vous vous envolerez tous. À la maison. Compris. Allez les filles, allons voir la nouvelle fille. Oui, allons-y. You stay with me, I'm alright. I wanna hold ya.